Aujourd'hui, nous allons préparer une délicatesse marocaine, des cervelles d'agneau à la sauce tomate. D'abord, préparons les cervelles. Vous aurez besoin d'au moins une cervelle d'agneau par personne. Placez les cervelles d'agneau dans un bol, couvrez d'eau froide et lavez avec les doigts. Vous devrez refaire cette opération plusieurs fois jusqu'à ce que les cervelles soient propres. Placez les cervelles sur une planche à découper et retirez délicatement la fine membrane qui les recouvre pour éliminer tous les vaisseaux sanguins. Regardez la différence. Ce côté-là a toujours la membrane et celui-ci est sans la membrane. Maintenant, coupez chaque cervelle en trois morceaux, le lobe droit, le lobe gauche et la petite partie ronde sous les lobes. Dans une grande casserole, déposez les tomates pelées coupées en petits cubes et l'ail râpé. Faites cuire quelques minutes. Pour les épices, nous aurons besoin de curcuma moulu, cumin moulu, paprika, poivre et sel. Ajoutez l'huile d'olive et mélangez. Faites cuire pendant 5 minutes. Ajoutez le persil finement haché et poursuivez la cuisson pendant 15 minutes jusqu'à ce que les tomates libèrent leur jus et deviennent molles. Smashez les tomates avec une cuillère en bois pour obtenir une sauce de tomate lisse. Maintenant, placez les cervelles dans la sauce tomate. Ajoutez de l'eau ou encore mieux, j'ai ramassé le jus de tomate lorsque je les ai coupées plus tôt et je l'ai filtré des graines pour l'utiliser à la place de l'eau. Faites cuire 10 minutes. Retournez doucement les cervelles de l'autre côté et continuez à cuire encore 10 minutes. Buvez du thé à la menthe en attendant. Ajoutez maintenant le jus de citron et laissez cuire encore 3 minutes. Vous pouvez servir ce plat chaud ou froid. Personnellement, je le préfère chaud. Décorez avec du persil haché et servez avec du pain croustillant. Bon appétit !